Sacha, c'est une vraie histoire d'amour entre toi et le Spirou. Oui, on peut dire ça. Ça fait 9 ans maintenant que je suis sous contrat avec Charleroi. J'en ai passé quand même 6 ans et 2 playoffs maintenant. Les playoffs l'année passée et maintenant cette année. Donc oui, c'est vrai que pour moi, le Spirou, c'est mon club du cœur. Tes plus beaux moments, Charleroi ? Le plus beau moment, chaque titre a un certain point fort, je veux dire. Maintenant, il y a toujours des moments personnels un petit peu spécial. Le retour après ma longue blessure de nuque, ça c'est quand même un moment très, très intense. Et après, tous les moments partagés avec des autres coéquipiers que je respecte beaucoup et que... Il y en a qui viennent, qui partent, mais il y en a quand même certains avec qui tu joues 2 ans, 3 ans. André, ça fait 6 ans, 7 ans. Donc des moments comme ça, partagés avec des autres joueurs, c'est quand même très spécial. Et ton pire souvenir ? Pire souvenir pour un sportif, c'est chaque fois les blessures. Donc moi, la blessure à ma nuque était très grave. Pas seulement physiquement, mais aussi mentalement. Du jour au lendemain, on a le dos contre le mur et on doit réagir, on prend une décision pour revenir. Donc, des moments comme ça, la famille et les amis sont très importants. Grâce au soutien, justement, tu es revenu à ton meilleur niveau ? Oui, je pense que surtout là, les dirigeants de Charleroi, Eriksson en particulier, Benoît Cuisinier, ils m'ont aidé énormément. Ils pourraient me laisser tomber à ce moment-là et ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont pris en dessous du bras et m'ont dit on va trouver une solution ensemble. Et je pense que c'est pour ça que le jour d'aujourd'hui, je veux redonner à eux parce qu'eux, ils étaient toujours là pour moi et je veux rendre à eux ce qu'ils ont donné à moi. Antibes, c'est comment ? Antibes, d'abord, la ville est très beau. Le temps, il fait un peu comme aujourd'hui à Charleroi. Donc là, il ne faut pas se plaindre pour ça. C'est une ville qui est entre Cannes, Nice, qui est Côte d'Azur, le soleil, la plage. Ça, c'est très beau. Après, sportivement, le club il est en reconstruction. C'est, je pense qu'au niveau de ça, qu'Eriksson peut vraiment apporter quelque chose d'énorme au niveau de business sportif avec son expérience. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'histoire d'Antibes, c'était quand même un grand club en proie. Donc je pense qu'Eric va vouloir directement remettre Antibes à sa place en proie. Finalement, tu es le Spirou le plus chanceux. Tu passes l'hiver à la Côte d'Azur, tu reviens à Charleroi au printemps pour fêter le titre. Oui, quand j'étais encore à Antibes, le soleil était comme ça. Maintenant, je suis à Charleroi, le soleil est comme ça. Écoute, c'est une chance. Moi, je pense que c'est une chance pour moi d'être ici à Charleroi pour essayer encore d'avoir un titre parce qu'on le fait quand même pour le prix quand tu es sportif. Et de notre côté, ça me fait quand même un peu de la peine de partir chaque fois d'Antibes comme ça parce que, surtout cette année, j'aurais voulu apporter un peu plus à leur équipe. Le titre avec Charleroi ? Oui, comme j'ai déjà dit la semaine passée, cette année, Charleroi a vraiment fait un beau parcours en Europe, peut-être un peu frustré par pas être en finale de Coupe de Belgique, mais ici, maintenant, tous les joueurs sont 100% pour avoir la première place et après pour être champion. Un heureux événement se prépare, ça va changer ta vie ? Oui, je pense que ça m'excite un petit peu, être papa bientôt. Je pense qu'à 28 ans, ça commence à chatouiller dans le ventre, je veux dire comme ça. Et non, on est très heureux ensemble avec Ingrid d'avoir cet événement. Fille ou garçon, un prénom ? Je dirais une chose, ce serait un garçon, mais pour le prénom, on est sur le bon voie, mais
on n'a pas encore la certitude. Ton avenir professionnel? Mon avenir professionnel, ça va être au Spirou de Charleroi. Je ne vois pas pourquoi je devrais changer. Je suis bien où je suis, entouré avec des gens que j'apprécie énormément. Et ben, le fait qu'ils veulent me renseigner ben, montre aussi qu'eux, ils voudraient bien avoir moi dans les projets. Donc voilà, je suis super content pour rester ici. Renseigner pour combien de saisons? Ben, j'ai signé un contrat pour une très longue durée. Donc tout va dépendre aussi combien de temps je vais encore jouer au plus haut niveau. Mais voilà, comme j'ai dit, j'ai 28 ans et je suis encore prêt à arrêter. Et Charleroi me donne cette opportunité. Donc,